pour une petite vidéo box et une autre petite commande que j'ai fait à côté. Là, nous allons ouvrir la Glossy Box. Bon, oui, vous entendez le bordel, mais c'est comme d'habitude, vous connaissez mes chats, vous êtes rodés. Nous allons ouvrir la Glossy Box. J'ai déjà ouvert la boîte, le carton du moins, et pour pouvoir sortir la boîte, parce que c'est toujours une galère pour la sortir, hein. Ouais. Oui, je dis toujours donc. Je sais, je suis pas très très très. Bon, surtout ne faites absolument pas attention à ma peau qui est pourrave. Je ne me suis pas maquillée rien parce que bon, j'ai eu une petite réaction étrange et je suis en train de filtrer les produits que je teste pour savoir quel est le produit qui m'a fait les yeux rouge panda. Voilà. Dans la Glossy Box que nous allons ouvrir aujourd'hui, alors vous découvrirez des petits promotions pubs pour HelloFresh et puis pour le site Babel. Voilà, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués. Et nous allons ouvrir la Glossy Box ensemble. Alors, comme d'habitude, elle se présente dans une petite boîte rose. Je sais que tout le monde nous babasse avec la Saint-Valentin, franchement. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est pour ça que, d'ailleurs, cette vidéo sera faite après la Saint-Valentin, je pense. Et mon chat est redécidé. Voilà. Moi, vu que je suis célibataire, la Saint-Valentin, ça me passe au-dessus, quoi. Voilà. Comme toujours, c'est présenté en joli petit déco. Hein. Hop, et nous allons découvrir cela ensemble. Alors, voyons, voyons, voyons. C'est parti pour mon colis. Alors, pour commencer, nous avons de la marque Sophia et Mabel, une petite petit blender. Ça, c'est toujours utile, hein. Mais bon. C'est utile, c'est utile, voilà. Vous avez aussi la petite carte où il faut scanner. Je n'ai pas scanné encore, voilà, on va voir. Ah oui, je transpire, je me mets en chemise et je ne devrais pas parce que j'ai trop chaud. On a de la marque Molton Brown London un petit gel douche. Voilà. Je pense que c'est la même chose que vous aurez vu chez d'autres influenceurs parce que je ne suis pas la seule à ouvrir la Glossy Box. Hein. Et voyons. Oui, elle a une petite odeur épicée, c'est intéressant, c'est marrant. C'est toujours agréable, hein, voilà. Nous avons alors une de la marque non, Vitamine C Radiale Papaya Enzyme Scrub. Voilà. Alors oui. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir des doutes sur la quantité qu'il y a dedans. Hein. Vous aurez certainement vu d'autres influenceurs qui vous présentent cette box. Et puis, je suis assez à décor. Moi, je vois que ça dans le tube. Alors qu'il fait ça. Je vais les contacter puis voir avec eux. Parce que je pense que c'est un problème. Hein. J'ai aussi reçu un gloss teinté, apparemment. Oui, c'est ça. Non? Non, un Dewy Blush. Alors, voyons un peu. Voyons, voyons, voyons. On va l'ouvrir ensemble. Hein. C'est un tout petit, petit. Hein. Voilà. On va pas faire longtemps avec, mais bon, c'est toujours ça d'essayer. Et puis le dernier produit, déjà le dernier produit. C'est un parfum de la marque Avon, Persian Sunset. Voilà. Nous voyons un peu ce qu'ils sont. C'est un parfum épicé. Épicé boisé, un petit mélange, je crois. Ouais, oui, c'est mignon. Voilà pour la Glossy Box. Hein.
Comme d'habitude, c'est des découvertes. Et puis, j'ai fait une commande sur le site Beers, attendez, que j'arrive à le prononcer correctement, de la marque Beers Benefit. Voilà. Donc, je me suis pris des petites gommes, là. Bah, vous connaissez la marque, hein, on la voit souvent sur les sites. Donc, je me suis pris un petit lot de trois gommes différentes. Donc, à la mélatonine pour m'aider à dormir. J'ai pris. Pour me calmer quand je suis stressée, à l'ashwagandha et au B complexe. Voilà. Et j'ai pris. Un vegan complexe, vitamine, calcium, vitamine B12, voilà. Et en cadeau, bah, j'ai reçu un petit sérum booster éclat et hydratation de la marque Nature Moi. Donc voilà pour cette petite commande que j'ai fait à Virginie. Donc, bah, comme d'habitude, je vous ferai un retour soit sur Instagram, soit sur TikTok, je sais pas. Sur les produits que je vais tester, hein. Donc, mais bon, au moins vous avez un. Oui, je sais, le chemisier, c'est un chemisier que vous m'avez vu dans une précédente vidéo, mais il souffre, voilà. Donc, voilà. Donc, on va essayer, de toute façon. Je suis là pour tester et on va voir si ça tient tellement autant ses promesses que ça le dit, quoi. Donc voilà pour cette petite commande, que, vous voyez, elle était toute petite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager, bien entendu. Laissez-moi aussi vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me permet de faire d'autres choses qui peuvent vous plaire. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir mes prochaines vidéos. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous. Bye bye.